Régis va te fouiller. Pourquoi ça? Ton sac. Ton putain de sac. Je connaissais ton frère. Oui, il est mort. Je sais. Il n'a jamais parlé de vous. C'est bien là le problème. C'était quoi son putain de problème? Pas un putain de problème. Putain, un problème de putain. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est mis à crier, j'ai dû l'assommer. Et c'est ça que tu appelles être douce? C'est pas de ma faute. Il est super mal poli, ton garagiste. Tu parles. Ça fait 20 jours qu'il me promène avec cette histoire. Il a dit quelque chose avant sa petite sieste. J'ai de mal à supporter son absence, même une nuit. S'il ne rentre pas de la semaine, je deviens folle. Et quand il revient, je pleure dans ses bras comme un bébé. Qu'est-ce que vous voulez? Rien du tout. Je disais juste qu'il faisait chaud, c'est tout. Et tout ça qu'embête pour me dire ça. Oui, il fait chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui va pas? Non. Bon, il y aura quelque chose qui n'ira pas. Mais je sais pas, moi. Tu parles à tout le monde comme ça? Oui. Et alors? Et depuis quand tu participes à la fête de vos seins, toi? Bah, jamais. Mais il y a toujours une première fois, non? Bien sûr, mais de là à se saouler la gueule avec le ventre très cher, très chic, quand même, hein? Le médecin en question? Il est marié. Mais c'est un grand séducteur. Toutes les filles de l'hôpital sont folles de son charme. Et il adore cela. Sauf qu'il est... Bah, il ne veut pas tromper sa femme. Bon. Il ne voulait pas tromper sa femme. Je ne savais pas comment... le motiver. Et puis j'ai eu une idée. Quand j'étais petite, ma mère m'offrait souvent des bracelets colorés. En ruban. C'était pour me rappeler que même si j'étais éloignée d'elle, elle pensait toujours à moi. Tout le temps, pleurant qu'il est gros comme une baleine. Bah, c'est normal, non, avec tout ce qu'il mange. Il mange beaucoup. Ouf! Il a pris 25 kilos et en plus il fait de la rétention d'eau. Tu veux pas savoir? Tu veux pas entendre, toi? Tu vis dans ton propre petit monde, toi, Esteban, ton mari, achat la con, et tous les enfants que tu auras dans ta petite belle maison, tu ne sais rien, tu ne sais pas, parce que... Arrête, ça va pas ou quoi?